Coucou tout le monde, c'est The Dark Pingouin. Aujourd'hui, je vais vous retrouver pour une petite vidéo sur les chevaux dans Minecraft, donc sur la 1.6. Je tenais à préciser que si les vidéos ont été, les vidéos de Hunger Games ont été retirées de ma chaîne, c'est parce que je voulais éviter d'avoir des problèmes de droits d'auteur parce qu'elles contenaient la musique Legends of Doom par Audio Machine et j'avais pas les droits d'auteur. Du coup, j'ai préféré les supprimer pour pas avoir d'embrouille. Voilà, je pense que je les reposterai. Ouais, je ferai un petit montage, j'enlèverai la musique. Et vous les retrouverez bientôt sans la musique. Bon, tant pis, hein. Alors, sinon, on peut aller au Ranch The Dark Penguin. Alors, aujourd'hui... Ouah, fail. Premier fail avec les touches Windows 8, ça va m'arriver à chaque vidéo. Et là, je vous retrouve dans Ranch, et je vais vous parler des chevaux en long, en large et en travers, et de tous les chevaux en fait. Chaque race, chaque espèce plutôt. Et on va commencer tout de suite. Alors, je rappelle qu'il y a 5 types d'équidés dans Minecraft. Alors, les équidés, je tiens à rappeler tout de même que ce sont les animaux de la famille des chevaux. Oui, comme les zèbres aussi. Alors il y en a 5 types. Il y a les chevaux, 32 espèces, les ânes, une seule espèce, les mules, une seule espèce aussi, et les chevaux squelettes et les chevaux zombies qui n'ont pas encore été rajoutés, qui arriveront pour la 1.6.2, qui devrait sortir demain. Si je poste cette vidéo le jour où je la tourne, elle sortira un lundi. Alors on va commencer tout de suite par voir tous les chevaux qui existent. Alors il en existe 6 couleurs de 5 robes différentes, plus 2 chevaux blancs. Alors comme couleur, il y a le brun clair, brun moyen, marron, brun foncé, oui brun foncé, oula, brun foncé, noir. Gris, il y en a d'autres avec le poil, comment dire, quasi roux, dédicace à tous les Nolan. Et les 5 robes sont relativement simples. La première, c'est la robe unie. Si un cheval brun clair, bah, il est entièrement brun, pas compliqué. Ensuite, il y a le cheval uni avec des balzanes et une liste. Les balzanes, ce sont les pattes blanches, hein. Pour ceux qui connaissent. Et la liste, c'est l'espèce de liseré blanc sur leur front. Voilà. Ensuite, il y a les chevaux avec des espèces de petites taches sur le dos. Si je me souviens bien, ça correspondrait IRL à une robe truitée. Voilà. C'est tout. Ensuite, il y a les chevaux avec une robe pie, c'est-à-dire une robe de couleur avec des taches blanches dessus. Donc ici, il est marron clair avec des taches blanches un petit peu partout. Et ensuite, il y a la cinquième robe. C'est avec des petites taches blanches toujours, mais celles-ci sont plus régulières, elles sont plus rondes. Je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent réel. Et ça s'applique à toutes les couleurs. Donc là on a noir uni, noir avec balzane et liste, noir truité, noir pie, etc. C'est pareil pour les gris. Et ensuite, il y a les chevaux blancs. Alors celui-là, c'est le blanc truité et le blanc uni. Je vous montrerai ce que c'est ça là, plus tard. Le blanc uni est là. Alors, vous savez peut-être, sûrement même, que les chevaux dans Minecraft peuvent se reproduire comme tous les autres animaux sauf les poulpes, parce que les poulpes ne servent à rien en général. Et j'ai fait des petits tests pour pouvoir plus ou moins prédire à quoi ressembleront les poulains. Poulain, le petit cheval. Alors, les statistiques, donc on a un père gris truité, une mère une jument blanc uni.
Alors, qu'est-ce que ça peut donner? On va voir. Alors, des copies exactes du paire, c'est-à-dire gré-truité, il y a le poulain 1, le poulain 7 et le poulain 9. Ça représente 30% des petits. Donc, le poulain 1, c'est celui-là. On regarde, c'est bien les mêmes. Ensuite, il y a le 7, c'est le même encore une fois. Et le 9, c'est toujours le même. Très bien. Ensuite, il y a les copies exactes de la mère. Les poulains 3 et 10, ça représente 20%. Ce qui veut dire qu'ils sont également complètement blancs. Alors le poulain 3, il est blanc uni. Pareil, ce sont les mêmes. Et après, il y a le poulain 10, blanc uni. C'est pareil. Donc, au total, les copies exactes de l'un ou de l'autre des parents, ça représente 50%. 30 plus 20, 50. Sinon, retournez au primaire. Désolé. Et donc, quand vous faites un petit à partir de deux chevaux, vous avez une chance sur deux pour que ça soit la copie parfaite d'un des deux parents. Mais il reste quand même 50% d'autres cas. Alors les poulains dotés d'un caractère de chacun des parents, les poulains 2, 4, 5 et 8, ça représente 40%, alors dotés d'un caractère de chacun, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils seront soit blancs truités ou gris unis. C'est en gros c'est croisé. Une couleur, la couleur de l'un avec la robe de l'autre, ou la robe de l'un avec la couleur de l'autre. Voilà. Alors on a les poulains 2, 4, 5 et 8. Donc le 2, il est truité et uni. Enfin, c'est un peu une exception puisqu'il est doté d'un caractère d'un seul des parents. Mais après le 4, 5 et 8, et le 4, le 5, ils sont blancs truités. Et le 8, c'est celui-là. Il est gris avec les jambes blanches, donc c'est encore un exemple. Comme le noir, il n'a qu'un seul caractère d'un des deux parents. En l'occurrence, là, c'est la couleur, il est gris. L'autre, c'était la robe. Et ensuite, les poulains totalement différents, il n'y a que le poulain 6, ça représente 10% quand même. Poulain 6, c'est celui-ci. Alors, il n'a aucune ressemblance, il n'y en a aucun des deux qui n'est marron foncé. Et il est balzané, contrairement aux deux là. Donc, sur 10 petits, vous en aurez un totalement différent. Ce qui veut dire que dans 9 cas sur 10, il y aura des ressemblances avec les parents. Donc, c'est pas génial pour avoir des nouveaux chevaux et agrandir les écuries. Mais ça peut être pratique si on a des chevaux qu'on trouve très bien, qu'on aimerait bien faire un mix, par exemple, ou l'avoir en double, si je puis dire. C'est assez pratique. Ensuite, passons à l'âne et à la mule. Alors, il n'en existe qu'une seule espèce. Vous remarquez ceci. Alors, ces deux chevaux ont des oreilles allongées. L'un est un âne, l'autre est une mule. L'âne, c'est celui de gauche et la mule, celui de droite. Alors, leurs particularités, ils en ont deux. Enfin, trois si on compte les oreilles plus allongées. La première, c'est qu'ils ne peuvent pas porter d'armure, contrairement aux autres chevaux qui peuvent, eux, porter les armures pour chevaux en fer, or et diamant. Mais ils peuvent quand même porter des coffres, ce qui fait que si on monte dessus, on ouvre leur inventaire, on peut leur mettre leur selle, pas leur armure, mais ils ont leur coffre, 15 emplacements, ce qui est bien pratique quand même. C'est pas gigantesque, mais ça aide. Et ensuite, la mule. Vous allez me dire, la mule, comment on fait pour avoir une mule? C'est très simple. On croise un âne avec un cheval, on obtient une mule, qui ne peut pas non plus porter d'armure, mais qui a aussi un coffre, et qui est plus rapide que l'âne. Parce que l'âne est quand même relativement lent. Hein, je vais me giver une selle pour que vous voyez. Voilà, je monte dessus, je peux le diriger. Il va pas super vite quand même. Alors que si je prends la selle, je fais... Alors, oh là, fail.
Si je me déplace avec la mule, on voit quand même que c'est plus rapide. Et là, comment est-ce qu'on fait pour le trouver? Bah, c'est comme les chevaux normaux, hein, on le trouve dans la nature, comme ça. Bon, il est plus rare que les autres, que les chevaux normaux, mais il se trouve quand même assez facilement. Voilà. Et puis, je vais vous montrer pour terminer. Si je retrouve, oui, j'ai dû le mettre. Oh, je lag. Mettre dans la piste, voilà, les descendances. Alors, c'est la liste des reproductions qu'on peut faire. Donc, si on accouple deux chevaux, on obtient un nouveau cheval. Si on accouple un cheval et un âne, on obtient une mule. Un âne et un âne, c'est plutôt logique. Par contre, la mule ne peut pas se reproduire puisque ce n'est pas une race à proprement parler, c'est plutôt une espèce de particularité génétique, si on peut appeler ça comme ça. Bon, appréciez la map, hein, ici il y a les écuries, là-bas les enclos de reproduction. Ici il y a une petite salle d'équipement avec du pain, des armures, des laisses, non pas des laisses. Lead, ça doit être des laisses. En langage équestre, on appellerait plutôt ça un licol. Enfin bon, on va pas approfondir. Ici, on a un petit enclos pour les ânes et les mules, hein. Ici, c'est la piste. Alors, le sol est en argile colorée, sciant. Non, pas sciant. C'est l'argile sciant. C'est pas frappant, moi j'aurais dit que c'était de l'argile grise, mais apparemment c'est sciant. Sauf si c'est un bug. Ici c'est l'enclos de débourrage circulaire. Alors je précise encore une fois, le débourrage, ça correspond, comment dire, au dressage, à l'apprivoisement du cheval. Voilà. En langage technique, on appelle ça débourrer un cheval. Je ne sais pas. Pas d'où vient cette expression. Alors je mettrai la map en téléchargement Mediafire dans la description de la vidéo. Ah oui, je n'ai pas précisé ouvrir les enclos avec un levier, petit système de piston assez sympathique et très simple d'ailleurs. Oui, je disais, je mettrai la map en téléchargement. Alors ici, il y a un toit et pas là. Ben en fait, après la construction, je me suis dit que en fait j'avais pas tout à fait foiré, ça, parce que ça rendait plutôt pas mal sans toi. Sans toi, TOIT, hein. Je n'insulte pas mes viewers. Ici, c'est un coffre bonus, un petit fail. On n'en a jamais assez. Et vous allez me dire pourquoi les vitres là sont mal faites. Parce que dans tous les bons centres équestres, les vitres sont pétées. Si, si, je vous assure. Parfois, il y a même du carton ou alors des vitres en plastique. Ou alors, voilà, ben, c'était tout. C'était The Dark Pingouin. Et que le piaf soit avec toi. Ah oui, au fait, re-petit fail, j'ai oublié de préciser que, comme toujours, je soutiens les nouveaux YouTubers. Je mettrai les liens des chaînes que je soutiens dans la description de la vidéo. Si vous connaissez des nouveaux youtubeurs ou si vous en êtes un vous-même, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires de la vidéo. J'ai fait un tour sur la chaîne proposée. Et si je trouve qu'elle en vaut la peine, ben je ferai votre pub à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Donc pour l'instant je ne soutiens que deux youtubeurs parce que j'ai pas vraiment cherché.